Ok les gars, on est chaud pour la nouvelle saison de Fortnite, mesdames et messieurs, on est on fire. On va directement découvrir cette nouvelle saison, mesdames et messieurs. On est chaud, mesdames et messieurs. Baba Boy. Wow. Wow, le nouveau pass de combat. Il y a des gros robots, il y a Dark Vador et il y a une meuf qui veut me faire du mal. Pourquoi? Waouh, la puissance du 7ème sens, mesdames et messieurs. Et on a tous ces objets gratuits là. Eh, c'est pas mal. Oh, l'épée enflammée, mesdames et messieurs, elle est incroyable. Elle est magnifique, cimetière occulte. Ouais, bah tu vas finir au cimetière comme ta daronne, hein. Bah oui, elle avait 72 ans, donc elle est morte. Voilà. Et 100 V-Bucks. Ouais, on est content. Waouh, le pass de combat de fou, mesdames et messieurs. Il y a Indiana Jones qui va arriver. Hey, il a pas une gueule, ouais, il ressemble beaucoup à Harrison Ford. On va pas se mentir, vraiment, c'est le même bonhomme, hein. Un gros robot. Quel est un de ses culs. Plutôt bonne, ouais. What? Eh, je vais changer mes épées immédiatement. Eh, je vais prendre l'épée enflammée, mesdames et messieurs. Elle est trop belle, mesdames et messieurs, vous pouvez pas comprendre. On va également changer de skin. Et on va prendre le... Alors, on va prendre ce petit skin-là, je l'aime bien, ce petit skin-là. Et voilà, tout simplement, là, on est pas mal, mesdames et messieurs. Boutique d'objets, on a quoi dans la boutique, dites-moi. Dites-moi, on a quoi dans la boutique. Je veux savoir immédiatement. Ok, on a évidemment le pass de combat, mesdames et messieurs. Ouh, avec le poiscaille, le retour du poiscaille pirate, finalement. Avec la réalité virtuelle, et pourquoi pas, en vrai. Eh, y a des trucs pas mal, hein. Eh, y a des trucs pas, vraiment pas mal, j'avoue. Ah ouais, j'avoue, c'est pas mal du tout. Ouah, trop classe, lui, le shogun, là. Ah, trop la classe, frérot. Ah, mais laisse tomber, le shogun. Ouah, les... Attendez, y a de la maîtrise, là, mesdames et messieurs. Ah, la maîtrisation et tout, ouah, c'est des équipes de football, au secours. What? C'est quoi, ça? Ah ouais, c'est un délire, frérot. Mais attendez, mais y a trop de trucs. Attendez, mais je vais le dépenser, mon argent, c'est bon, calmez-vous. Bon, on y va, du coup, mesdames et messieurs, c'est parti. J'espère que ça va être bien. Et salut à tous et à toutes, mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour la nouvelle saison, mesdames et messieurs, sur Fortnite. Et nous allons tout simplement atterrir au niveau de l'île, là-bas, voilà, parce qu'on a très envie de découvrir de nouvelles choses, mesdames et messieurs. Et apparemment, toute cette partie-là est nouvelle, voilà, tout simplement. Donc, j'ai bien envie de découvrir tout ça, j'ai envie de te dire, mesdames et messieurs, what, qu'est-ce que c'est que cette arme, là-bas, what? Qu'est-ce que c'est que ce délire, mesdames et messieurs? Attendez, il faudra qu'on aille voir, hein, dans une prochaine game, hein. Mais c'est un délire, frérot, c'est un délire. Alors attendez, mesdames et messieurs, donc on va atterrir tranquillement, mesdames et messieurs, on va essayer d'acquérir un maximum d'armes possibles, j'ai envie de te dire. C'est parti! What? Attendez. On va essayer de faire les choses bien. Attendez. Est-ce que aller ici, ça aurait de... Non, franchement, non. On va plutôt découvrir directement de la nouvelle map, j'ai envie de te dire. Non, parce que c'est intéressant de découvrir de nouvelles choses quand même, hein, sur Fortnite, surtout dans la nouvelle saison, mesdames et messieurs. Donc, on y va tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? What? Le mode relax, franchement, parce que le thème de la nouvelle saison, c'est relax. Donc, je comprends pourquoi, en fait, il y a plein de murs tagués, tout ça, c'est les Jones, tu vois. Putain, je parle comme un vieux. Eh, merde. Attendez, toi, il y a un coffre là, attendez, hop là. What the hell? Eh, il m'a donné, ouais, il m'a donné des armes un peu moyennes, là, quand même. Tu te fous un peu de ma gueule, là. C'est quoi ce délire? Attends, donne-moi des popos, là. T'as pas des popos et tout là? Non, t'as pas de popo. Oh, la tristesse de cet homme, c'est impressionnant quand même, hein. Bon, attendez, on va essayer de se mettre bien, mesdames et messieurs. Hop là, donc là, bon, là il y a quelqu'un qui s'est déjà installé, donc j'aime pas ça. J'aime pas les gens installés, en fait, ils sont chiants, en fait. Hop là, merci pour ça. Les bandages, c'est intéressant. Là, il y a rien de très intéressant, j'ai envie de te lire, donc on va aller voir tout ça. Par ici, là, par ici, voilà, il y a forcément des munitions, c'est obligé. Peut-être même un coffre. Non, j'ai pas eu de chance. Oh, mais je vous déteste, en fait. Alors, attendez. Par ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Putain, attendez, on va essayer de... Allez, on va aller de ce côté-là pour voir un maxi... Oh non, on peut pas aller de ce côté-là. Oh, fais chier. Non, parce que la zone, elle va se diriger de ce côté-là. What the hell? Ok, on va voir vraiment ce que c'est, en fait, cette nouvelle map, j'ai envie de te dire. Donc, du coup, on va se diriger plutôt du côté ici, voilà, de Shifty Shaft, j'ai envie de te dire. En fait, toute la partie de gauche est nouvelle. Bah, d'accord, très bien. Très bien, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Par contre, il me faudrait vraiment un véhicule, en fait, parce que sinon, on va se faire... Ah, bah attendez, regardez, il y a le van de Scooby-Doo, là, mesdames et messieurs. Le van de Scooby-Doo. Allez, on va le prendre immédiatement. Le van de Scooby-Doo, mesdames et messieurs, le van de Scooby-Doo. On peut pas le prendre. Comme par hasard, on peut pas le prendre. Non, mais c'est un scandale. On peut pas prendre le van de Scooby-Doo. Mais c'est honteux, mesdames et messieurs, c'est honteux. On peut pas prendre le van de Scooby-Doo. Attends, peut-être celui-là, on peut le prendre. Eh, le van de Scooby-Doo. Eh non, on peut pas le prendre. Eh non, il est tagué, celui-là. Putain, on peut pas prendre le van de Scooby-Doo. Et franchement, je vais faire un procès à Epic Games, en fait. Eh, le van de Scooby-Doo, oh! Je veux le van de Scooby-Doo! Bah, du coup, on va prendre une bagnole, tant pis, voilà. Oh, les, calme-toi, hop là, voilà, j'ai eu mon permis entre temps, calme-toi. Eh, les musiques sont toujours aussi dégueulasses, par contre, vraiment, ils ont pas fait d'effort, hein. Putain! Alors, bonsoir à tous! Eh, y'a quelqu'un qui s'est arrêté là ou quoi, là? Eh, mec! Eh, on va se calmer deux minutes, les gars, voilà, calmez-vous, putain, je fais que positionner sur mon. sur mon clavier, là, et sur mon écran, excusez-moi, mesdames, messieurs, c'est. Voilà, je suis excité, voilà, c'est la vie, j'ai envie de te dire, hein, vraiment, c'est. On va prendre un petit peu de hauteur, voilà, pour avoir l'avantage immédiatement. Voilà, tranquillou, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ouais, c'est toujours pareil ici. Ouais, il n'y a pas de nouveauté ici. Oh, la tristesse. Attendez, on va aller voir de ce côté, là-bas. Attendez, mesdames et messieurs, là-haut. Attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par ici? Bah oui, regardez, il y a un coffre que personne n'a pris. Alors, on va le prendre immédiatement. Alors, attendez, hop, voilà.
Eh ben voilà, ça me donne directement une popo. Ben voilà, ça vaut le coup finalement. Alors attendez, on va essayer de faire quand même attention à notre petit cul. Hop là, po. Non mais je parle pas de po dans Kung Fu Panda là, calmez-vous. Hop là, yolé, on reprend notre bagnole, c'est parti. Wolé. Attendez, y'a quoi par ici? Ouais, est-ce qu'il y aura des armes par ici? Je pense qu'il y aura des armes, non? Ah, y'a même un coffre, ouais, j'ai bien fait d'aller par là. T'es en soirée dans Red Dead Redemption 2 là, ça c'est un délire frérot, ça c'est les chiottes, voilà, c'est intéressant. Ah, attendez, donne-moi le coffre, qu'est-ce que tu me donnes? Ben voilà, c'est pas mal ça. On va prendre ça, voilà, et on va prendre ça, voilà, merci beaucoup. Attendez, what? Ah oui, c'est un nouveau fusil à pompe ça. Attendez, on va foutre ça là, ça on va le foutre là, voilà, c'est mieux comme ça j'ai envie de te dire. Et attendez, y'a un coffre ici aussi, j'avais même pas vu, quel con. Ben y a encore des popos, j'ai 6 petites popos là. Oh, autant vous dire que là on est grave bien. Attendez, on va prendre des munitions aussi. Attendez. Il faut tout fouiller, mesdames et messieurs, il faut tout prendre. Voilà, non, parce que nous on est radins, il faut le savoir. Hein. Hop là, mais attendez, il y a un troisième coffre ici. Mais attendez, mais c'est un délire, les frérots. Attendez. What? Bah, c'est un délire, frérot. Laisse tomber, c'est un gros délire, frérot. Attendez. Il y avait genre 12 coffres ici, c'est un délire. Alors, du coup, on va se diriger ici, mesdames et messieurs, parce que là-bas on va être bien, j'ai envie de te dire. Voilà, pour l'instant, on n'a pas croisé de joueurs, c'est bien triste, mesdames et messieurs, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, on se met bien. Attendez, ça peut être pas mal en vrai. Hein. Voilà, genre, ça peut être bien en vrai. Est-ce qu'on le prend ou pas? Non, quoi que tu me diras, on a des popos, on a même pas besoin de ça, j'ai envie de te dire. Bah, les steaks, les frérots. Là, il y a quelque chose? Ouais, il y a des munitions, ouais. Ouais, allez, on va les prendre, hein, parce qu'on est chaud. Alors, un petit peu de munitions, ça fait. Voilà, et une popo en plus. Ouais, une popo, en vrai, ça fait grave du plaisir. Grave plaisir, le frérot, grave plaisir. Et on reprend la bagnole. Alors, salut à tous. Attendez, il y a un mec là-bas, il faut que j'aille le voir. Enfin, il y a peut-être même deux mecs, parce qu'il y a eu du fight, hein. Eh, les gars. Les gars. Putain, mais j'ai pas de boost, j'ai l'impression d'aller à 2 à l'heure. Et il y a toujours des gens qui se cachent ici. Bonjour à tous. Eh, les mecs. Arrêtez, wesh. Vous êtes forcément cachés ici, c'est sûr. Eh, il y a un tracteur. What the fuck, le tracteur. Non, mais lol. Oh, les. Eh, le mec. Eh, hey, ça dit je t'écrase. Eh, hey, tu veux pas que je t'écrase? Ben oui, tu veux que je t'écrase, forcément. Eh, hey, mec. Mec, allez, viens, on est potes. Voilà, tranquille, voilà, on est potes. Ah, je vous assure, on est potes, hein. Voilà, on est potes, tout ça, tu vois. Allez, hop, nouvelle arme, hop, là, arme bleue, frérot. Eh, hey, ma voiture, elle va exploser, putain. Eh, hey, je vous déteste, les mecs. Attends, il faut que je trouve une autre bagnole. Ben voilà, il y a une autre bagnole, là, on va être bien. Ah, attendez. Eh, hey, premier kill de la saison, attention, hein. Attention. Et bam, j'ai envie de te dire, voilà, nickel. Hop, en plus le mec il nous regarde, il a trop le seum en vrai, on l'a démonté le pauvre, en plus on l'a écrasé comme un chien, tu sais. Bon, maintenant on va aller du côté d'ici, parce qu'en vrai je me balade trop dans cette game, en vrai il faut vraiment que j'aille voir un psy en fait. Non mais les musiques au secours quoi, vraiment les musiques sont toujours aussi dégueulasses, mais franchement, les développeurs ils ont pas fait d'efforts, je suis désolé, moi qui aime bien pourtant les chansons anglaises et américaines, là franchement c'est dégueulasse. Non mais j'ai pété un câble en fait. Bon alors... Ah ben regardez, il y a un autre joueur là. Attendez, on va lui faire un petit coucou. Attendez, on va quand même aller voir de ce côté là-bas, parce que là-bas il y a toujours des armes de fou. Donc attendez, voilà mesdames et messieurs. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a par ici? Regardez, oh non, un fusil à harpon, c'est nul ça. Oh non, mais ça a déjà tout été fouillé. Oh non, mais vous êtes des chiens les mecs. Oh putain, mais non. Franchement, tout ça pour que dalle les gars. Bon attendez, on va essayer de retourner voir le joueur là. Et attendez, il y a une zone qu'on n'a pas observée ici. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Attendez. Attendez, alors déjà il y a une nouvelle bagnole ici, elle aura certainement plus de carburant que celle-là. Bon, par contre, je suis un peu con parce que je vais rentrer dedans. Mais bon, ça c'est pas ma faute, c'est. Bah, j'ai toujours pas le permis en fait. Ok, attendez. Attendez, mais cette zone là, attendez, on l'a pas observée. C'est quoi ce délire? Il y a une zone là. Hop là, attendez, il y a une zone là, là. Attendez, cette zone là. Troisième avant-poste. Attendez, c'est un avant-poste. Attendez, mais dis pas que c'est une zone de guerre ici. C'est une zone de guerre ici. C'est une zone de guerre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Genre cet endroit, c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est? J'avais pas fait sur la map. Ah bah attendez, il y a un coffre là. Et le coffre, je le veux, le coffre. Le coffre dans le bateau. Ouais, eh, c'est pas mal. Et en vrai, c'est pas mal. Eh, c'est un délire. Eh, c'est un délire, j'ai eu des armes de fou. Attendez, il y a un autre coffre, là. Attendez, mais c'est le coin à coffre, ici. Je comprends pas trop cette zone, mais en vrai, il y a plein de choses, en vrai. Donne-moi ça. Ça va être mieux, ça. Voilà. Eh, franchement, là, on est bien. Pour l'instant, on est bien. What? Se trompe un petit peu, monsieur les développeurs. Eh, c'est un délire, les frérots. What? Attendez, mais c'est une maison secrète, c'est pas possible, c'est une villa secrète ici. Il y a un délire, c'est sûr. Attendez, il y a quoi par ici? Attendez, il y a un truc de soin, je vais le prendre. Oh, il y a des loups dans la villa, mais à quel moment je vais dans la villa, moi? Mais c'est un malade. Attendez, il y a des loups. Comment ça se fait qu'il y a des loups dans la villa? Mais what the fuck? Mais à aucun moment je retourne. Non, mais c'est des malades. Putain, il y a des loups dans la villa. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, alors attendez, excusez-moi, voilà. Mais attendez, mais c'est des loups de garde en fait. Mais elle est incroyable cette villa, c'est. Eh, c'est la villa de Kurt Cobain ou quoi là? Mais c'est un délire! Eh, c'est un délire la villa, wesh!
Et attendez là, hop hop hop, là y aurait pas un joueur caché là? Mais non, si, y a un joueur caché ici, c'est obligé. Ah, tout ça pour ça, tu m'as déçu frérot là. Bah attendez les gars. Eh, le petit joueur caché là, il y a toujours quelqu'un de caché ici, c'est fou hein. On va du coup se rendre ici. Allez, c'est parti. Putain, mais c'est dommage qu'on ait pas de boost. Ah mais si, on a un boost, mais je suis con. Hop là, voilà. C'est un délire. Eh, pour une première game, franchement, je découvre toute la map en vrai. Même si je la connais déjà, je suis vraiment FDP en fait. Bonsoir. Eh, je ratisse tous les campeurs, hein, je m'en bats les steaks. Là, s'il y a un campeur, je le démonte. Hein. Avec les armes que j'ai en plus, laisse tomber. Hein. Eh, il y a une nouvelle popo, est-ce que ça vaut le coup? Non, en vrai, on a tout ce qu'il faut, on a même pas besoin de popo, bah les steaks. Hein. Bah les steaks, mon frérot de la Vega, là, laisse tomber. Hein. Wallé, attendez, il y a un mec qui me tire dessus, là, il est où? Eh, il y a un mec qui me tire dessus, là. Mais faut obligé, il est à l'intérieur. Eh, il est là! Oh le con, attendez, je vais essayer de l'écraser. Eh, mec! Oh non, il est rentré dedans. Oh, mais c'est un FDP! Ah, mais attendez, il est là! Attendez. Wallé, attention, ouais, parce que il a quand même un sacré arsenal, le bâtard. Il me tire avec des fusils à pompe et tout. Ah, le bâtard. Bon, carburant faible, c'est pas grave. On a pas peur, mesdames, messieurs. Notre voiture est en train de crever, mais on a pas peur. Ah, c'est pas parce que je fuis que j'ai peur, hein. Non, absolument pas. Ok, j'ai plus d'essence, mesdames, messieurs, j'ai envie de te dire. Donc, on va devoir foncer vers un autre véhicule, j'ai envie de te dire. Wallé. Oh, il est chaud. Oh, il est chaud, le garçon. Ça, on peut le prendre, ça. Ah, oui, on peut prendre une bagnole de taxi. Toutes les voitures que j'aurais prises dans cette game, laisse tomber. Là. Ah, mais laisse tomber, frérot, c'est un délire. Oh, salut mec! Il y a un joueur là, lol! Eh, hey, les frérots! Quelqu'un veut se battre ou pas? Bon, par contre, j'ai pas rechargé mes armes, du coup, c'est pas très malin. Attendez, putain, mais il y a une tonne de joueurs ici! Eh! Hey, mais dégage de là! Il vous joue aux auto-tamponneuses, lui! Mais c'est un malade! Je te jure, c'est un malade! Attends! Mais attends, mes frérots, attends-moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Regardez, j'ai trouvé un pote! Eh, hey, salut pote! Regardez, j'ai trouvé un pote! Regardez. Oh le pauvre! Oh, je l'ai manqué de respect. Ah désolé frérot, j'ai pas fait exprès, je te jure, je vais tellement manqué de respect. Eh hey, frérot, je t'ai manqué de respect ou pas? Bra! Allez, eh hey, le frérot, j'ai trop manqué de respect. Frérot, attends, mais reviens! Attends, je te rentre encore un peu dedans. Voilà. Eh hey, non, pas moi! Alors bonsoir. Attendez, là je suis en train de copuler là. What? Je suis en train de copuler. Attends, on va le prendre par l'arrière. Eh hey, le frérot, je le prends par l'arrière, je m'en bats les steaks. Putain, mais ma voiture, elle va sauter alors que lui non. C'est une blague. À Fast and Furious, j'étais le meilleur. Mais putain, c'est une blague, mesdames et messieurs. Attendez, vous pensez qu'il me suit toujours? Attendez, mais sa voiture, elle a cramé, sa voiture. Putain, il est trop con. Putain, le mec, en plus, il se soigne comme un gros bâtard. Attendez. On va aller voir du côté de là pour voir nos potes. Hop là. Eh, attendez, les gars. Putain, mais y'a tout le monde qui veut jouer avec moi ou quoi, là? C'est quoi ce délire? What? Y'a tout le monde qui veut jouer avec moi, les gars. Franchement, c'est un délire, cette game. Putain, je viens juste de démarrer le jeu, les gars. Calmez-vous. Franchement, les voitures, c'est vraiment ma vie. Hein. Dans cette game, c'est vraiment toute ma vie. Hein. Eh, les mecs, quelqu'un veut se battre ou pas? Moi, je suis chaud, hein, j'ai rechargé mes armes et tout. Hein. Mais montrez vos sales gueules, en fait. Putain, je vais être obligé de tuer des gardes, en vrai. Hein. En plus, c'est nos amis, lol. Ah, je suis en feu, j'ai envie de tuer des gens, j'en ai marre. Eh, y a un joueur, là. Attendez, on va aller le voir. On va aller le voir, notre pote. Eh, le frérot. What the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord, il prend... Ah, ouais, d'accord. C'est un délire. Eh, ton feu de camp, mec, tu dégages. J'ai voulu détruire son feu de camp, mais malheureusement on peut pas. Quelle tristesse. Mec, dégâts. Mais attends, mais il a foncé sur moi. Qu'est-ce que c'est ce délire? Mec, il est attardé, ce garçon ou quoi là? Eh mec, t'es attardé. What? D'accord, il arrive même pas à viser avec un fusil à pompe quand même. Hein. C'est triste. C'est triste pour ce garçon. C'est triste. Wallé. Wallé. Eh frérot. Frérot. Hop là. Wallé. Eh mec. Wallé. Putain. Eh mec, putain, mais. Mais putain, mais j'arrive même pas à l'avoir. Eh mais c'est. Oh! Oh, ouais! What? Ok, alors j'ai le temps de recharger et tout, mais c'est un bâtard! What? What? Mais non! Putain, je suis à délire! Non, ne me tue pas, frérot! Je te jure, j'ai rien fait de mal! J'ai rien fait de mal, frérot! Voilà! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Il allait me tuer en plus! T'as le mec qui s'est retourné de son côté là-bas, j'ai pas compris! What? Attends! Attends, je me faisais par un sniper et tout! Attends! Attends, frérot, attends, je me mets dans un endroit pour un petit peu me mettre du bouclier quand même, parce que là c'est chaud, hein! Attends, première game et tout, je me fais déjà viser par tout le monde veut jouer avec moi, tout le monde veut mon cul, non mais attends. Attends, déjà, je suis célibataire, donc tu te calmes. Oh putain. Attendez les gars, mais oh, tout le monde veut mon cul là. Attendez, en plus il y a un coffre. Bah je m'en fous, je vais l'écraser, je vais récupérer son contenu, je m'en bats les steaks. Voilà, il m'a donné quoi? Bon, il m'a donné que de la merde, c'est parfait. C'est parfait, mesdames et messieurs, j'ai envie de te dire. Ah, attends. Je vais faire un truc. Voilà, je vais faire ça, comme ça je suis inatteignable. Voilà, parce que je sais que le mec il me visait de là-bas. Voilà, j'ai toutes les tactiques de persuasion. Alors recherche tes. Non, voilà, recherche tes armes un peu plus loin. Attendez. Oh putain, mais ça c'est pas recherché non plus. Mais tu te fous de ma gueule. Mais sous de ma gueule. Hop là, alors nickel. Voilà,
Bah, ma voiture elle est toujours bonne en vrai. Hein. Mais quand je dis bonne. Oh, il est là lui! Eh hey, frère! Oh attendez, mais il a le skin robotique et tout! Hey, c'est un malade! Attendez, attendez, c'est un malade le garçon! Eh, hey, attendez! What? Oh putain! Wow, ça s'est joué à rien! Un délire! Un délire, les frérots! Attendez, 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 faut que je me soigne quand même là! Hein. Oh putain, attendez, attendez, attendez! Attendez! Attendez, attendez, deux secondes, les gars, deux secondes! J'ai plus de vigne, rien! Attendez, calmez-vous, 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 calmez-vous! Calmez-vous, putain, en plus j'ai oublié de me soigner avec ça, je suis trop con! Putain, ça se joue à rien, en plus il y a la zone qui arrive sur moi, il faut que je me calme! Faut que je me calme, là j'ai trop. Eh, là j'ai trop d'adrénaline, les frérots, calmez-vous! Attendez, calmez-vous, les gars, calmez-vous! Attendez, mais arrêtez! Mais putain, mais je suis en train de faire une game solo là, après je joue avec vous, promis! Enfin, là, la prochaine fois, enfin, dans 30 ans, enfin, j'en sais rien, frérot! Putain, tu me casses les couilles en vrai! Attendez, recherche ça! Putain! Je sais pas pourquoi il a perdu son sang-froid, en vrai, du coup j'ai réussi à prendre l'avantage sur lui et j'ai réussi à le buter. Alors par contre la zone, t'es bien gentille, mais calme-toi en fait, hein, parce que... Attendez, il y a un mec là-bas aussi. Mais putain, what? Ah putain, ma bagnole elle va exploser. Wow. Attendez, 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 what? En plus ma connexion elle a commencé à bugger. What? Attends, il faut que je me soigne. Mais putain, je peux même pas... Wow. Ok, on va essayer de le buter comme ça, bon ça va être dur, hein. Ça va être dur. Ouais. Ça va être trop dur parce qu'en plus je pouvais même plus courir. Oh la merde frérot, putain dommage. Putain, hey, franchement ça aurait été énorme pour la première game de faire top 1. Oh franchement je suis déçu, putain je pouvais même plus courir, j'ai pas eu de bol parce qu'en fait je me suis fait viser directement par un FDP qui était là. Putain en plus son skin il est trop classe, c'est un robot œuf avec une tête de cul. Ouais j'aime bien, franchement j'aime bien. Bah non pas du tout, c'est juste que je la trouve tellement vulgaire. C'est vrai? Ah ouais, elle a des gros seins avec un gros décolleté. Allô. Bon ben voilà mesdames et messieurs, j'espère que cette première vidéo sur la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite vous aura plu. Vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres qui arrivent, j'en ai tourné plein. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao ciao. Putain mes fins de vidéo elles sont tellement rapides maintenant, j'arrive même plus à articuler, tu vois, c'est un délire frérot. Allez, j'ai un plan cul ce soir.